Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Merci beaucoup pour être ici à la chaîne de Oh là là français, Francesca Hispanohablante. Et aujourd'hui, on va parler de la conjugaison du alphabet 2. Merci, merci pour être ici, vraiment. Et vous pouvez s'abonner à la chaîne. Et bon, et maintenant, je vais expliquer un peu sur un guide sur la conjugaison du DALF B2. On est nous, on est les premiers en train de parler de DALF et DALF avec cette guide qui peuvent vous aider à apprendre le français de manière correcte et aussi de pouvoir passer les examens de certification de cadre européen. Aussi, on parle de la France, on parle de la francophonie, on parle du français et de la culture francophone. Alors, j'espère que vous allez aimer cette chaîne sur le français et la francophonie. Alors, pour ça, c'est quand même assez. On va pratiquement parler de toutes les conjugaisons possibles. On va dire qu'on peut faire en français. Alors, ça, c'est bien parce que, bon, si tu as déjà passé un examen A1 ou A2 ou B1, ça va t'aider beaucoup pour savoir te guider. Alors, si tu as encore des questions par rapport au présent, par exemple, tous les présents, n'importe quel présent, soit présent de l'indicatif, progressif, durjonctif, subjonctif, etc., il faut que tu repasses un peu les intérieurs guides. Ouais, on a un guide de A1 jusqu'à, bon, là, B2. Peut-être on va faire un C1, mais on n'est pas trop sûr encore. Et donc, il faut que tu sois hyper bon, soit à l'écrit, soit à l'oral, etc. Comprendre bien le temps de présent, n'importe quel temps, comme je t'ai dit avant. Aussi, là, maintenant, on va commencer à faire des différences entre le passé et le futur. Donc là, il faut que tu saches très bien passé composé. Imparfait et savoir les différences entre les deux et pouvoir conjuguer ou parler, écrire, dire, etc. une phrase avec les deux temps. Ouais, tu vas faire une phrase complète avec et tu vas mélanger le passé composé et aussi tu vas mélanger l'imparfait par exemple. Et tu dois savoir très bien les différences pour surtout de manière écrite quand tu vas faire ta production écrite. Et aussi au moment que tu vas faire ta production orale parce que les examinateurs sont très très sévères en ce moment quand tu es en train de parler. Alors ça c'est hyper important que tu saches le faire. Après bon le futur, futur simple, futur proche, là on va partir aussi conditionnel et tous les futurs que tu puisses avoir. Aussi j'ai oublié du passé aussi le plus que parfait si tu peux commencer à le comprendre et à faire de rédaction avec celui-là. Ça va t'aider aussi beaucoup pour parler bon bien sûr des choses qui sont passées. Et tu peux t'introduire, mais ce n'est pas obligatoire, même dans un C1, ce n'est pas obligatoire celui-là. C'est le passé simple, mais c'est important que tu puisses le connaître pour culture générale, maintenant que tu es dans un français pratiquement avancé de la langue. Alors ça, c'est hyper important que tu saches le faire et le comprendre et faire des petites choses comme ça qui vont t'aider à améliorer et comprendre un peu plus la langue française. Et ça va être hyper bien là. Après là, ce que je recommande, parce que maintenant c'est quand même un taquet de verbes et beaucoup de conjugaisons, beaucoup de temps, et des fois c'est assez compliqué, comment c'est les différences, les voir. Moi je te recommande que si tu peux lire beaucoup en français, ça va t'aider vraiment. Tu peux lire des magazines, des bouquins, des livres d'histoire par exemple, ça va t'aider beaucoup pour repérer et certaines choses. Et si tu veux, si tu as des difficultés au moment d'écrire ou faire de conjugaison au futur, moi je te recommande surtout lire des magazines qui sont par exemple des sciences, sciences et avenir. Pourquoi celle-ci? Parce que généralement, si magazine parle du futur, alors ça va te aider ou ça va te donner beaucoup d'idées pour essayer de comprendre ça. Et en France, et surtout au moment d'écrire et de faire de rédaction, vraiment, ils sont hyper, hyper sévères au moment. Alors, si tu lis des articles actuels sur ça, ça va t'aider vraiment et tu vas comprendre encore plus bon, la langue française. Pour la partie
Ça, c'est peut-être compréhension écrite. Ça va t'aider beaucoup à réussir ça. Et aussi, ça va t'aider à comprendre l'étendue de la conjugaison. Aussi, ce que je te recommande, c'est de regarder des films, pas des séries. Bon, séries, oui, mais avec une vitesse plus rapide. Et aussi, ça va t'aider beaucoup à entraîner tes oreilles. Et aussi, ça va t'aider au moment d'écouter en français. Et il faut que tu fasses gaffe ou tu fasses très très attention au moment que tu écoutes le français. Et voir si c'est passé, si c'est présent, si c'est futur, quel présent, quel passé, quel futur, etc. Ça va aussi t'aider pour le moment de parler. Le moment de parler à la production orale, que vraiment, elle est un peu lourde. Et bon, après, je vais parler sur ça aussi. Et aussi, si tu veux commencer à écrire beaucoup de choses en français, si tu peux écrire tout le temps en français toutes les choses que tu puisses écrire en français, ça va être hyper important et ça va t'aider à commencer à comprendre les conjugaisons en français et ça va être plus intuitif pour toi au moment de faire l'examen. Alors, ça va t'aider vraiment. Alors, bon, merci à cette vidéo. J'espère que ça aide au moment de comprendre tout ça. Et maintenant qu'on est dans un TELF. Du français, bon, c'est français intermédiaire avancé, que là, vraiment, tu es autonome au moment de parler français. Il n'y aurait pas à avoir de problème, mais bon, petit à petit, hein, il faut pas que tu sois parfait au moment de le faire. Bon, par exemple, moi, j'ai un TELF B2. Ça a été quand même assez facile pour moi, mais je sais que j'ai beaucoup d'erreurs au moment de parler parce que moi, j'ai appris le français à la France. Et je l'ai appris de manière orale. Alors, je fais toutes les fautes qu'un français de manière orale fait. Et ça me donne un plus parce que je suis plus natif. C'est comme en espagnol, par exemple, on a beaucoup d'erreurs au moment de parler, mais il y a quelqu'un qui sait parler le français et tout ça, et l'espagnol, et cette personne, par exemple, est professeur d'espagnol, il va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc, bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu saches te débrouiller, ouais, te débrouiller bien au moment de tout, non? Écouter, écrire, parler et lire. Alors, bon, s'il vous plaît, pour aider à cette chaîne, vous pouvez s'abonner et aussi vous pouvez mettre en commentaire les choses que vous voulez voir dans cette chaîne aussi. Pourquoi pas aussi, on a les pour devenir membre de la chaîne et vous allez avoir beaucoup de choses exclusives du français et de la francophonie. Vraiment, je vous assure que vous allez aimer. Alors, bon, merci beaucoup. Et bon, on se voit dans la prochaine vidéo. Maintenant, après, on va parler. Et on sait déjà le vocabulaire. On a parlé de l'introduction du DELF. Maintenant, on est en train de parler de la conjugaison. Après, on va voir quelque chose de grammaire aussi. Ça peut aider. Et on va terminer avec un peu de phonétique pour le DELF B2. Parce que c'est très important. Et après, on va terminer avec quelques tips et astuces pour réussir votre DELF B2 hyper bien. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Je suis Xenia Hernandez et on se voit dans la prochaine vidéo de Oh là là français, Frances para Hispanohablantes.